La FITASC est une fédération internationale qui a été créée en 1921. Dès 1947, elle a développé des nouvelles disciplines, la fosse universelle et à partir de 1967, le parcours de chasse. Le parcours de chasse est devenu rapidement une des plus importantes disciplines de tir sportif. Nous reproduisons dans le parcours de chasse des trajectoires de tous les animaux, mais avec des cibles artificielles. Ça nécessite des très grosses organisations, des très grands terrains. Aussi, en 1988, j'étais alors directeur technique de la Fédération internationale. J'ai imaginé un nouveau jeu, une nouvelle discipline, qui permettrait d'utiliser des installations de stands traditionnels. Et j'ai créé le compact sporting. Le compact sporting, l'esprit du compact sporting, c'est de reproduire toutes les trajectoires possibles, toutes les difficultés techniques possibles, mais sur une petite surface. Nous avons donc créé et développé à la Fédération internationale le compact sporting que vous connaissez aujourd'hui et dont vous avez vu un magnifique championnat ici. Ce sont des trajectoires extrêmement variées, jamais les mêmes, d'un compact à l'autre, et qui donnent aux tireurs une énorme satisfaction parce qu'il doit utiliser toujours son intelligence. Il ne peut pas se contenter de tirer par réflexe. Alors c'est un sport magnifique qui s'est développé dans le monde entier et qui, sur les 5 continents maintenant, se pratique d'une façon enthousiaste. La Grèce et sa fédération nationale et son président, M. Kanellakis, ont participé depuis quelques années au développement formidable du compact sportif. Et le club où nous sommes aujourd'hui, qui est absolument extraordinaire, donne un exemple de ce que nous devons faire pour tous les stands dans le futur. Des stands très jolis, avec des très bonnes organisations techniques et des accès faciles. Formidable organisation aujourd'hui, formidable championnat. Vous avez en Grèce des très grands tireurs, vraiment, qui sont à la hauteur des plus grands tireurs internationaux. Et je pense que ça donnera lieu dans l'avenir à une très belle concurrence avec les tireurs étrangers. Alors je vous souhaite bonne chance à tous, beaucoup de succès et beaucoup de plaisir avec le tir sportif. Merci beaucoup.